Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Smite avec American Red Cross. Un mec un petit peu bizarre, il y a aussi des joueurs de foot dans ce jeu. C'est totalement what the fuck. C'est la première fois que je vais jouer. On va partir en mode coop. Arène ou joute? Joute. Comme vous n'avez jamais joué dans ce mode de jeu, regardez cette petite vidéo présentation des règles. Rien à foutre. Allez, rejoindre. Boum! On s'en fout royalement des règles. Je débute, j'ai fait juste le didacticiel à vrai dire. Et il y a un potentiel troll dans ce jeu qui est supérieur à la moyenne. C'est-à-dire que je pense que ça va foutre le bordel. Je pense, après on verra. Hein, mais aucune pénalité si vous déclinez. Bah je vais jouer quand même, c'était le but du jeu quoi, je voulais... Enfin, après on fait comme on veut, hein, mais moi j'avais envie de jouer, on joue contre des bots. Parce qu'on n'est pas des dingues, on n'est pas des fous, on est des gens plutôt calmes. Donc, on va tester, on va peut-être même détester, on ne sait pas encore. Je ne sais pas si des gens connaissent le jeu. Ah, on choisit notre personnage. On peut dire bonjour. Hi. Allez, on a dit bonjour, on est poli. Alors, il y a... Lui Garrison, c'est sûr. Il a pas de visage. Lui, il a pas de visage. On peut pas les voir. Coucou, on peut pas les voir. Attends, lui il est égyptien. Lui il est égyptien. Oh, oui, c'est des dieux hein, qu'on joue. Lui il est chinois. Lui il est chinois. Ah, là on les voit, ok. Vas-y. Charge-moi celui-ci. Et c'est quoi ça? Ok. Le dieu du... Ah, elle est LSM. Elle, je verrouille. Je verrouille totalement, j'approuve. Les gens ne disent pas bonjour, chacun ses procédés. Si vous voulez être désagréable, on va être deux à être désagréable, mais chacun ses procédés. Bon allez, let's go les enfants. On n'a pas que ça à faire, on a des ennemis à buter. Il faut verrouiller, il reste 28 secondes avant de verrouiller. Je suis le seul mec qui lance des aventures sur League of Legends et qui, avant le deuxième épisode de son aventure League of Legends, va déjà tester un autre MOBA, mais ne vous inquiétez pas les amis. League of Legends, ça va revenir. Oh, il y a des... C'est Wukong derrière, d'ailleurs. Pardon, excusez-moi, je testais les voix et j'ai vu le mec faire le con sur son bâton. Ça fait penser à Wukong pour les joueurs de League of Legends. Let's go. On est contre Poséidon, le fameux. Chez nous, on n'a aucun dieu connu. Enfin, je ne les connais pas, que ce soit Bastet, qui ressemble fortement à Basket, mais qui est une femme. Et alors, ça, c'était totalement raciste. Non, mais il n'y a aucun dieu connu chez nous, alors qu'en face, ils ont notre sosie. Ah, mais d'ailleurs, il s'appelle Wukong, le mec en face. Oh, ça fait tute. Il s'appelle Wukong. Wukong, hein, c'est pas propre à League of Legends. C'est un truc assez vieux qu'on retrouve, par exemple, dans la mythologie chinoise, si je ne dis pas de bêtises. You are in your team's fountain. Ah ouais, you are in your team's fountain. Allez, on va se taper. La partie commence. Vous pouvez appuyer sur K pour voir les compétences. K. Oh mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que l'on s'en fout? Lance sa dague sur cible, machin. Fauche ses ennemis et les fait saigner chaque seconde. Se jette sur la cible. Oh, ça va être sadique. Ça va être sadique. Alors, on se déplace avec les flèches. Enfin, avec. Non, avec ZQSD, pardon. Donc, c'est plutôt cool de se déplacer avec ZQSD. Defeating the largest of the creatures in this jungle camp. Salut, Speed Camp. Je m'en fous. Donc, c'est plutôt cool ZQSD. Hein. On apprécie, on adore. Mais c'est plus chaud après quand on doit ZQSD plus utiliser 1, 2, 3 et tout. Mais c'est pas grave. Oui, Tower must be destroyed, c'est un MOBA les gars. Allez, all mid, all random. All mid, all random, je l'ai déjà fait ça sur le Hag of Legend. Allez, je te saute dessus. Bouh, prends ça dans tes dents. Allez, allez, j'appuie sur toutes les touches. Cagole. Ok, allez, je te fouette. Je suis décédé. Je suis décédé. N'ayez crainte, vous... Vous êtes mort, n'ayez crainte, vous réapparaîtrez. Bah ouais, quand même, hein. Ah, on peut sauter. Le Titan. Ah, c'est mon titan. C'est un peu ma fontaine de jouvence. Il ne faut pas que mon titan meure. Alors, mes amis sont full vie, les ennemis non. On apprécie, on enjaille. On enjaille totalement.
Ah, on est pas un adversaire de portée. J'aime bien avoir de la portée. Allez, on a fait des dégâts. Voilà, je me suis fait attaquer par la tour, mais on a fait des dégâts, c'est l'essentiel, l'essence même de tous les propos outrageants hein, que la France a pu dire auprès de vos familles, vos enfants, vos êtres préférés. J'ai level up! Je m'en fous de ce que tu racontes, gros con. Hop! Wow! Il a fait tsunami! Tsunami parce que t'es pas mon ami! On va appuyer sur K parce que je sais plus ce que ça fait ça. C'est... D'accord, ça fait un cône à la con. Ouais, enfin, moi aussi je peux faire ça. Hein. Ok, ok, c'est bon. Non, mais c'est bon, va pas le tower dive. Va pas le tower dive, mon ami. En plus, on est contre des bots. Hein. Donc on se fait misère, ça se trouve. On est contre des petits bots à la con. Hep, hep, hep. Tu m'as mis low life, je crois. Non, non, j'ai encore de la vie. On va clipper. On va creeper, creeper. On va creeper, creeper. Et voilà, on fait les dégâts. On fait les dégâts, c'est ça qu'on veut. On a du gold. Le gold avait ragé. J'ai tué Poséidon. Ouais, moi, mon gars, je tue des restas, moi. Parce que Poséidon, c'est le seul qu'on connaît. Attention, il y a du creep. C'est super dynamique comme jeu, putain. Allez, crevez, creepeux de bâtard. Allez, de toute façon, je vais pas la steal. Faut pas déconner non plus. Je la steal déjà comme un sac à foutre. Dans League of Legends, c'est pas pour la suite dans un jeu que je connais pas. On va évidemment back, hein, on back en faisant des sauts en arrière et en appuyant sur B, je crois. Oui, on appuie sur B et on rappelle. On rappelle. Je sais évidemment utiliser le shop. On va utiliser le shop. Non, on va prendre les objets recommandés. Le masque de Zumba, on l'a déjà a priori. Le crève-cœur. Ah, c'est mon corps item. Je sais pas comment on l'achète. Mon argent est descendu, j'avais plus que ça au début. Je crois que ça a acheté tout seul. Ok. Ok. Allez. Allez, j'ai sauté. J'ai sauté, j'ai tout compris. Allez, je vous empoisonne, cagole. Allez, allez, allez. J'ai tué Nezaha. J'ai tué Nezaha. C'est la puissance des Nezaha. Ouh, attention mon coquin, tu vas te faire buter par Nezaha. Non, Nezaha est décédé, on peut admirer son cadavre. On peut sauter sur son cadavre. Wow. Ah, Nezaha respawn. Ah, non, on va pas s'entendre si tu fais des choses comme ça. Hop. Et je pars très loin. Voilà, j'ai pu escape. Dennycraft a pu tuer Poseidon. J'ai une assist, je ne sais pas. Oui, j'ai une assist. Car j'ai fait des dégâts, je suis niveau 7. Ça a l'air cool, niveau 7. Évidemment, vous êtes fiers de moi. Je fais, hop là, j'ai pris l'assist. Et elle l'a fini. On va voir, il y aura écrit assist. Parce que j'ai eu l'assist, quoi. Hop, je tape un peu sur la tour. Et je pars loin. En dehors de la portée de la tourelle. Comme ça, mon esclave d'ami se fait taper sur la gueule. Je suis décédé, j'ai été tué par Anur. C'est dommage, je suis assez triste hein, en effet. Vous êtes triste pour moi. Allez, allez, on peut appuyer sur I, oui, on peut appuyer sur I. Et notre argent est là, il est présent, notre argent. Ok, j'ai peut-être acheté des choses. Oui, j'ai dû acheter des choses. Qui sait? Pas moi. On va aller dans la jungle. La jungle qui est ici, je le sais, je le sens, je le suis, il se fout de moi. Hop. Hop, et la jungle. Hop, petit F. Voilà, un petit truc pour clear la jungle. Ça a dû faire de l'XP, ça a surtout fait un boost des familles qui, je crois, booste ma vitesse de déplacement. On va aller sauver notre ami Kagol. 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 Niveau 8. On tue des creeps. Unsterlol a tué Poséidon. Et j'ai lâché les chiens. Comme dans Hearthstone. Est-ce que mes chiens vont faire le travail? On ne sait pas. On ne saura jamais. Oh putain. On s'est enfui. Je ne sais pas pourquoi on attend que la tourelle. Je n'ai pas aimé. Ah, quelqu'un a tué Dennycraft. Est-ce qu'on a eu l'assist? Non, on n'a pas eu l'assist malheureusement. On peut et strictement rien acheter. Je ne sais pas pourquoi elle a perdu de l'argent. Mais on s'en fout, on continue, on part en sautant.
Ce jeu est complètement what the fuck, mais complètement épique à la fois. C'est un duo des 6 nations, mais avec que moi. C'est un petit peu moins bien. Oh putain, je faisais pas gaffe. Et toi je te crame, Capucine. Tu ne t'appelles pas Capucine, on s'en bat les couilles. Pardon, excusez-moi pour cette vulgarité de type vulgaire. Et on peut ressauter ici. C'était une mauvaise idée ce bouton. Qui est-ce qu'il a créé? Ah, il a tué. Anur a tué Majestic. Majestic qui est dans mon équipe, si je ne m'abuse. Oh, c'était beau, Dennycraft. Dennycraft qui nous fait le. Ok, j'ai été tué. J'avais prévu un coup de bâtard. Le coup de Mister Mango Potko. J'allais faire un truc what the fuck wonderful. Et ça a raté. Ça a lamentablement raté. Mais tu n'as plus de vie. Je vais acheter des potions. J'avais des potions. 680. Ouais, je vais rien acheter parce que je peux rien acheter. À part quelques petites potions, évidemment. Allez, on part, on court. L'esprit du Zenyu. Parce que je suis sûr qu'il y a une mythologie grecque qui doit s'appeler Zenyu. Et pourquoi grec? Tout simplement parce que c'est les mythologies qui ont des noms les plus dégueux. Mes copains ont été tués, je crois. J'espère. Ah, il n'a pas respawn. On va retourner à la mid lane. On va les backdoor. Hop. C'est le backdoor des familles. Mauvaise idée, James. Ok. Notre vie n'est pas au beau fixe. Et on repart. Non, je devais repartir. Je devais faire et ça n'a pas fait malheureusement. On n'a pas été autant dans la merde. Le système s'achète n'importe comment, je crois que ça auto-achète les premiers trucs. Et j'aurais dû utiliser une potion, je ne l'ai pas fait. Mauvaise mécanique. Très très mauvaise mécanique. Mais ça va venir. Ça va venir. C'est ma première partie à jeu. En plus je suis de nature trollesque. Donc ça n'aide pas. Bon, on va partir. Le but est évidemment de tuer leur titan. Leur titan des familles. Mana camp, speed camp. Ah, vitesse de déplacement et régène mana. Ah, génial. Ah, on se propulse évidemment pour aller aider nos copains à tuer la tour. Vous avez détruit une tour ennemie centrale. Je crois qu'il n'y a qu'une tour sur cette map car c'est la map du tour. C'est pas moi qui ai tué, mais ça a tué. Allez, je lui ai balancé mon ulti et je l'ai tué. On va tuer le phénix. Salut petit phénix. Salut. Salutations. Ah, j'ai essayé de m'enfuir mais malheureusement Poséidon a fait le travail. Je suis décidé. C'est comme décidé mais en moins bien. On a de l'argent, on a de la money. On va acheter des choses. Puissance physique, vitesse d'attaque. Ou puissance physique, vitesse d'attaque. C'est exactement les mêmes chiffres. Allez, c'est les passifs. Ça joue la protection physique de votre cible est réduite de 8%. Lorsque l'attaque de base touche, la cible subit des dégâts physiques équivalents. Ah, ouais, ça c'est très bien. Donc j'ai compris comment marchait leur système d'item. Bon, on est les meilleurs à l'heure actuelle. Mon ulti est totalement pété. Ah, Poséidon est mort. Poséidon, tu vas décéder. Poséidon. Ah, je baisse ta vitesse de déplacement et je vais te tuer. No chase. Wow. On va prendre une potion, voilà. La petite potion des familles. J'aurais bien voulu le tuer quand même, ce bâtard. Se déplace évidemment avec notre téléportation. Ok, Poséidon a plus de swag. Je lui ai fait très mal à Poséidon, il va mourir d'ailleurs. Poséidon est mort. Ah, Poséidon n'est pas mort. Bon, Onthur est mort. On va aller devoir attaquer leur esclave à eux. Je vais acheter ça si j'ai les moyens. Achat automatique désactivé. Mais oui, il fera ça sur le. Et hop là, achetons.
Ah, ils étaient dans le ciel. Deicide. Ok, ok, on va se déplacer très vite. Très très vite. On va aller prendre le Speed Camp. Speed Camp, bonjour. Hop, j'appuie sur F et c'est passé. Et on a le speed camp. Oui, oui, you are entering the jungle. Allez, on va là-bas. Mana camp. Allez, on se fait les creeps. On se fait les creeps par derrière. Ils vont se douter d'un truc à un moment. Allez, on fait le doublé, on fait le doublé. On est très proche du triplé. Et c'est le triplé! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu peux m'appeler papa. You can call me Daily. Ah, évidemment, on se fait le phénix parce qu'on a, on a pris confiance en soi. Mais c'est une très mauvaise chose de prendre confiance en soi comme ça. Ouais, je me suis fait tuer par le phénix, il m'a trop appelé papa. J'ai pété un câble. On va aller acheter des choses. Chance de coup critique augmentée, augmente les dégâts des coups critiques. Ah, ça c'est... ça c'est... c'est un item très connu de League of Legends. Passons. Réduction du temps de recharge, pénétration... oh, c'est bon, pénétration physique. Budrin. Budrin de vie. Ah oui, mais il me faut les étapes d'avant. Pourquoi je ne peux pas acheter? Ah, je n'ai plus de place dans mon inventaire. Il faut déjà que j'upgrade ça. J'upgrade ça comme ça. Et il faut que j'upgrade ça. J'upgrade ça comme rien du tout. J'ai pas l'argent. J'ai pas la money. J'ai beaucoup trop d'items qui ne servent à rien que j'ai acheté en mode random. On va évidemment aller chercher le mana camp ici. Salut toi. Le mana camp ici pour être plus cool. Voilà. Mana camp récupéré. On récupère le truc par terre. C'est le buff. Et on va récupérer le damage camp qui est ici. Votre tour centrale a été détruite. Comment ça? Ah, le damage camp n'est pas disponible. Ils veulent que je refasse un triplé, je crois. Mon équipe a besoin de moi. Alors évidemment. Hop. Ah, il a fait le double kill, pas moi, mais j'ai fait l'assist. On va évidemment finir le travail. On va, voilà, on avance, on avance, on avance. On se fait applaudir. Salut les gars. On fait les dégâts, on fait le burst. On clean, comme on dit dans le jargon. On a notre ultimate qui est prêt. Hop là, on peut y aller. Alors lui, il est vénère, lui. Ouh, lui, il est déjà plus vénère encore. Évidemment. Ah, j'ai balancé l'ulti, mais je crois qu'en face, Anur, il a pas changé de nom depuis le début de cette partie, a balancé lui aussi l'ulti. Futé. Futé, futé. Je vais aller acheter des vêtements, mais futé, futé. Hop, on a du drain de vie. On a des upgrades de boots. On a des upgrades de boots. Le masque de Roomba, ça va vendre, c'est de la merde. Alors que... des dégâts, on veut des dégâts. La colère de Jotour. Jotour d'une vidéo. Je... 42-1. Ah! Ça, ça m'a l'air cool. Ça, ça m'a l'air très cool. Ah, il a fait un doublé. Notre ami à nous. Ça, c'est cool. Leur titan va perdre de la vie grâce à notre puissance. Hop là. On fait évidemment le travail de manière clean et détendue. Voilà, on récupère le petit bonus de vitesse de déplacement. Et là, on va aller vers l'ennemi. On va aller vers l'ennemi, on va le tuer. C'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. Ah, il sera déjà mort avant que j'arrive. Excusez-moi, on fait une course, j'ai gagné. Ah, le titan est mort.
Le titan est mort. Le titan est décédé. Victory. Bah écoutez les amis, ce jeu est fun. Ce jeu est assez what the fuck. Je ne le comprends pas totalement pour l'instant. Enfin, c'est un MOBA, mais je n'en comprends pas toutes les mécaniques. Je pense que je referai une vidéo. Enfin, je referai une vidéo dessus pour tester un autre mode de jeu. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et surtout à me dire dans les commentaires pourquoi je suis une grosse merde à ce jeu. Non, quoique j'ai fait un triplé. Ce qu'on appelle dans le jargon de League of Legends un ace. Donc ça reste très correct. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. C'était Hamster Bleacher. Oh yeah. Allez, bye bye. Et je continue de jouer avec mon petit chaton. Pardon.